la politique dans le village, c'était quelque chose d'important. Oh, à ce moment-là, disons, moi je ne me rappelle pas, mais on racontait que quand les élections, ils descendaient depuis Salvan, quand la commune était encore unie, ils descendaient en rang pour voter depuis Salvan. Ou ils montaient. Ou ils montaient. Ils montaient, les radicaux de, ils montaient. De voilà, par exemple. Du hameau de Verléa, voilà. Qui n'était pas encore une commune, ils montaient. Voilà. Il paraît qu'ils montaient avec un drapeau, oui. Et puis qu'ils se faisaient recevoir par des pierres. Hein. Oui, ça c'est possible. Hein. Mais la vie politique dans un village, ça a toujours marqué l'histoire du village. Alors à Verléa, l'antagonisme radicaux, PDC a toujours été. Maintenant ça a bien évolué, mais à ce moment-là, il serait marqué. À la limite, dans les bistrots, il y avait la séparation. Ouais. Si tu étais radical, tu n'allais pas dans un bistrot conservateur, par exemple. Hein. Mm. Alors nous, les socialistes, on était un peu mieux. On était ni d'un côté ni d'autre. Hein. Mm. Mais on faisait quand même, au politique, on a fait souvent l'apport pour faire les majorités, puisqu'il y avait une représentation entre radicaux et PDC qui n'était pas majoritaire. Il y avait de fortes disputes entre les gens. Ah oh oui, il y avait des articles dans les journaux, il y avait des papillons qui passaient dans le village, et là, les gens étaient assez violents. Hein. Mm-hmm. Finalement, puis tout était prétexte à dire celui-là, c'est parce qu'il est, celui-là qu'il est arrivé là, parce, ainsi de suite, il n'y avait pas de logique. Hein. Mm-hmm. Tu pouvais choisir le meilleur pour une fonction à la commune, parce qu'il n'était pas de ton parti, il n'avait pas les qualités, par exemple. Et alors c'était un peu comme ça, quand il y avait un changement politique, je me rappelle en 1952, quand mon père est arrivé syndic, toute l'équipe communale était balancée, à part Dupertuis, le secrétaire. Papa avait dit, on a besoin, Dupertuis connaissait un peu le système, et c'était important. Mais le chef des travaux, le policier, l'agent local et tout, le garde, tout ce qui était à la limite de le concierge, c'était tout des nouveaux. C'était comme ça. Mm-hmm. À ce moment-là, ça se faisait comme ça. Hein. Passer place était recherché. Et... Voilà. Ça, c'était un peu le mauvais côté de la politique. Il y avait une animosité. Oui, puis alors il y avait des problèmes chaque fois qu'il y avait l'attribution de travaux. Des cas, mais je me rappelle quand il y avait la halle des gymnes qui a été faite en 1950, il y avait 300 petites peintures à Verléa, c'est une seule qui avait la peinture, on ne va pas donner les noms. Le bois, c'était un seul, alors je me rappelle qu'une entreprise qui est spécialiste dans la charpente a dû réagir, en l'occurrence Surche, pour finalement avoir un lot, parce qu'il était radical, puis c'était les autres qui faisaient ça. Hein. C'était comme ça. Il y avait une sorte de guerre de clans. C'était le clan, absolument. C'était le clan. Absolument, oui. C'était tout à fait logique. Et ça déteignait dans les sociétés locales aussi. Après, il y avait des animosités, des chicanes, des sociétés qui marchaient mal parce que leurs dirigeants, on disait pas pour la qualité, le président, non, mais il est à gauche ou bien il est à droite, alors ça ne va pas. Mm-hmm. Mais ça a évolué. Après, à partir de 1960, 1970, ça a évolué. Hein. On a regardé plutôt la qualité, quoique relatif. Hein. Oui. Verléa, ça a été comme une particulière du point de vue politique. Alors, ça a été particulière simplement par le fait que c'était la première commune en Valais qui a eu un syndic socialiste. En 52. En 52. Il y en a eu après beaucoup d'autres qui ont eu, mais à ce moment-là... Hein. Parce qu'après, il y a eu Tâche, il y a eu un Rande, il y a eu un tas de communes après. Mais la raison profonde de ça, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des socialistes à Verléa? Je pense que les CFF, qui étaient un contingent important à l'usine, le fait aussi que mon père et Pignat, le papa de Lily et Créton, étaient à Verléa, c'était des gens de gauche qui ont formé le parti. Et puis il y a eu pas mal d'adhérents, et puis les idées ont progressé. Puis à l'usine, une partie des cheminots, c'était important, c'était à gauche. Parce qu'il y avait un électorat d'ouvriers, de fonctionnaires plutôt. Oui. Au départ, c'était des employés de la Confédération qui étaient à gauche. Oui. Ouais.
Des ouvriers, pas nécessairement. Des gens venus d'ailleurs qui sont venus s'installer ici à cause des usines. Entre autres. Oui. Mm-hmm. Puis après, l'idée s'est développée grâce aussi à mon père, un parenté, Joie Pignard. Et on a eu depuis longtemps des municipaux.